Mes amis, le jour où vous allez comprendre c'est quoi Rabbi Nachman de Breslev, vous allez ressentir, vous allez comprendre c'est quoi Rabbi Nachman, vous allez devenir une tachanat koar. C'est quoi une tachanat koar? Comment on dit une tachanat koar, les gars? Une centrale électrique. C'est de ça que je parle, mes amis. Parce que c'est pas de la rigolade, Rabbeinu. Non, je suis sérieux quand je parle. Hein. C'est pas de la rigolade, c'est du émettre la mytho. Rabbi Nachman, c'est pas de la rigolade. On a tendance à venir sympathiser. C'est sympathique. C'est comme si c'était une boîte de nuit Haredi, Breslev. C'est devenu comme ça. On danse et on chante. C'est pas ça, Rabbeinu, les gars. Rabbeinu, c'est une centrale électrique. Pas lui, nous. Lui, c'est lui, je sais pas ce que c'est lui. Lui, c'est l'électrique en lui-même. Rabbi Nachman, il a la possibilité de nous faire changer. C'est-à-dire quoi de nous faire changer? Même nos femmes, ils n'arrivent pas à nous faire changer. Rabbeinu, il a une possibilité de nous faire montrer qu'on a la possibilité de changer complètement. Complètement. Et c'est pas de la rigolade, parce que Rabbeinu, il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre avec nous, Rabbeinu. Rabbeinu, il a un paquet de travail. Rabbeinu, il a énormément de choses à faire. Et il s'est mis en bas avec nous. Et il nous a dit, je reste avec vous. Et j'avance avec vous. Et je vous booste. Mais vous avancez quand même. Soyez pas des escargots. Non, mais ça veut dire que tu